Il était une fois un petit village au pied des collines sauvosgiennes où une terrible épidémie décimait les troupeaux. Seule une vache restait en bonne santé. Un jour, son propriétaire décida de la suivre et la vit boire l'eau qui sortait du rocher du Donnerloch. C'est ainsi que les hommes découvrirent la source de Saint-Amand et que la petite commune de Soultz devint Soultz-les-Bains, un havre de paix où les Alsaciens viennent prendre les eaux depuis des siècles. L'histoire est jolie, mais aujourd'hui, on ne prend plus les eaux à Soultz-les-Bains près de Molsheim, on va au spa. Soins du corps, bains bouillonnants, les vertus de l'eau attirent de plus en plus les jeunes. Du côté d'ici, test pour vous cette semaine les thermes de Soultzbad. Dans cette région vallonnée, l'histoire se cache à chaque coin d'arbre. Alain sera notre guide sur le sentier des casemates, une idée balade qu'on vous propose pour un cours d'histoire grandeur nature. Le côté gourmand, c'est Christian qui s'en charge. Au menu, un filet de bar dans le cadre authentique du Biblenhof, un domaine que Joseph a rénové de ses mains. Jean-Paul, cette semaine, enfile un kimono. Opération sauvetage bonsaï oblige. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je vous embrasse. Avant de plonger la tête la première dans cette belle eau de Soultz, donc on sait que c'est une eau riche en fer, mais quelles sont ses vertus? Alors c'est une eau chlorurée sodique, elle est très riche en fer comme on l'avait dit, mais également en magnésium. Alors elle a une action anti-inflammatoire, antalgique, anti-rhumatismale, anti-névralgique. Est-ce que vous savez que si c'est une eau qu'on retrouve ailleurs en Alsace, ou c'est vraiment typique de ce terroir? Elle est typique de ces terroirs. On la trouve nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Il y a des compositions voisines à certains établissements. Il y a une centaine de sources en Alsace. Elle serait le produit d'un mélange d'une eau issue du grès bigarré et d'une eau saline provenant du tertiaire. D'accord. Elle est dépourvue de tout germe et de toute pollution. Toutes les analyses bactériologiques ont démontré cette pureté. Frédéric, est-ce que les habitants de Soultz sont des vénards et est-ce que leurs robinets sont alimentés par cette eau? Malheureusement pour eux, non. Nous avons l'exclusivité et l'usage de notre eau thermale. Donc jadis, on se baignait déjà ici dans des thermes. C'était quoi, il y a un siècle? Il y a plus d'un siècle? 15e siècle, 16e, 17e. Avant que l'établissement tombe en désuétude au tout début du XXe siècle. Vous les avez testés, vous, ces eaux, ces soins? Oui. Quelle a été votre première réaction, la première fois que vous êtes arrivé ici, que vous êtes plongé dans cette eau? Un bien-être total. On se ressource. Il y a un soin que je trouve assez sympa et finalement qu'on ne retrouve pas partout, c'est le soin pour les femmes enceintes. C'est original. Effectivement, nous adressons à une clientèle très sensible, la femme enceinte. Allons le découvrir. Allez, je crois que Émilie est justement là, elle est enceinte de 8 mois et elle habite juste à côté, c'est pratique pour elle. Donc cette jeune fille enceinte, son problème surtout, c'est les jambes lourdes. Donc on va soulager cette sensation. On va travailler donc sur son système sanguin. On va relancer la circulation sanguine et on va également faire un drainage, éliminer les toxines pour soulager tout ça. Quand on vient ici, qu'on est une femme enceinte, à quoi on a droit alors comme soin? Alors vous avez droit donc au bain bouillonnant. On va également utiliser la chromothérapie, luminothérapie dans cette baignoire donc pour avoir la relaxation. On a la pressothérapie, donc c'est ces bottes qui se gonflent et qui vont avoir une action sur la circulation sanguine, donc au niveau des jambes. On a également le pédiluve, une alternance d'eau froide, d'eau chaude, également pour les jambes, pour la circulation et le massage des jambes. Qu'est-ce que tu fais dans la piscine alors? Dans la piscine, on fait du watsu.
Donc ça permet donc d'agir également sur la relaxation. On est vraiment là pour détendre la personne. On a souvent une réaction au niveau du bébé également qui réagit. Donc c'est vraiment sympa. Émilie, explique-nous un petit peu ce qui t'a amené à venir ici. Donc j'avais déjà testé une fois un forfait anti-stress, donc avec des massages, bains, etc., qui était déjà très très agréable. Et c'est vrai que là, pour ma deuxième grossesse, j'ai voulu essayer des soins spécifiques future maman. Et j'en suis très contente. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus ? En fait, c'est vrai que pendant la grossesse, surtout à la fin, je suis au 8e mois, on a des petits bobos, les jambes lourdes, mal dans les reins, et puis des difficultés à dormir. Et donc, tous les soins qui sont proposés ici sont vraiment ciblés pour ces petits problèmes-là. Et c'est vrai que quand on ressort, on est vraiment soulagé. Et tu dors mieux. Et je dors comme un bébé. Qu'est-ce que tu préfères de tous les soins ? Peut-être le massage des jambes, le massage manuel. Tout simplement. Ouais. Ça, c'est vraiment l'apothéose dans le forfait, quoi. À la fin, c'est souvent gardé pour la fin, quoi. Et on ressort, on a les jambes légères, on est bien. Le temps d'un soin hydratant, je vous propose une idée balade sur les hauteurs de Soulz-les-Bains en compagnie d'Alain qui nous plonge dans l'histoire du sentier des casemates. Au départ de l'école communale de Soulz-les-Bains, le sentier des casemates, c'est un peu comme une machine à remonter le temps. Un parcours de 6 km qui suit la ligne de défense réalisée par les Allemands en 1914. Ces casemates étaient des abris bétonnés dans lesquels les hommes venaient s'abriter, se nourrir, se reposer. Alors ici, ce n'est pas évident, effectivement. Nous ne sommes pas dans un garage, nous sommes dans une cuisine. La cuisine pouvait accueillir une roulante qui était tirée par des chevaux. Donc les soldats pouvaient circuler librement ici, se servir soupe, choux, etc. En cas de bombardement, bien sûr, on restait totalement confiné à l'intérieur de l'abri et on pouvait ensuite prendre ses repas dans les chambrées. Hein. Chaque soldat pouvait avoir une place assise. Voilà, donc 6 km de promenade, 6 km durant lesquels on va découvrir ces vestiges de la Première Guerre mondiale, tout en ouvrant des fenêtres sur d'autres époques. Hein. On va parler de la Deuxième Guerre mondiale, voire même on peut discuter des grands crus, car nous avons des grands crus d'Alsace. Ne pas l'oublier, nous sommes sur la route des vins d'Alsace et on essaie de promouvoir aussi cette région au travers de ce vignoble avec quelques vins remarquables tels qu'à Volksheim, à Trenheim, à Marlenheim, à Molsheim, bref, des grands crus qui se trouvent autour de nous et que nous voyons, lors de cette visite. Derrière les collines, je pense au Charard qui est derrière nous, au Soulzberg, il y avait là également des batteries d'obusiers qui toutes devaient défendre cette plaine d'Alsace contre une éventuelle incursion française. Soulz-les-Bains, dans cette affaire, je dirais, n'est qu'une position arrière. Hein. C'est la position avec son vallon qui accueillait essentiellement les artilleurs. Hein. C'est là où se trouvaient les canons, hein, les obusiers. Chaque abri de ce type-là pouvait accueillir de 150 à 220 soldats. Mais ce que nous montrons aux touristes, c'est d'abord un paysage, ce paysage qui donne du sens à l'histoire. Donc on sait pourquoi, en parcourant ce chemin, les ingénieurs et les militaires allemands ont choisi de construire une ligne de défense à cet endroit-là. C'est tout à fait évident lorsqu'on parcourt et lorsqu'on voit de ses yeux la position. Hein. Voilà. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Caroline. Je vous présente mon bonsaï. Oui, ben dis-nous. Oui, il a survécu. Il a fait plusieurs guerres. Il vit toujours. Bon, on va essayer de le retaper un tout petit peu. D'abord, bon, ce qui serait bien, c'est de lui faire une toilette. J'ai l'impression qu'il a dû souffrir soit d'un manque d'arrosage, suivi après d'excès d'arrosage. Enfin, c'est peut-être ça, c'est pas, mon genre, oui. C'est peut-être oui. Pas... Oh, ça arrive, écoutez, vous inquiétez pas. Ce qu'il faudra. Non, mais on va déjà lui redonner une petite forme, parce que vous savez, ces petites branches qui partent un peu partout. Alors, comment on sait lesquelles couper ? Ah, ben ça, ceux qui sont, disons, les passionnés de bonsaï, ils suivent même des formes assez symboliques. Moi, je fais ça comme un jardinier, je regarde ce qui me dérange un tout petit peu, et puis je le raccourcis. Hein.
Donc c'est tout. Celle-là, même, je trouve qu'elle est mignonne. Là, par contre, il y en a une qui va, vous voyez, cette branche qui remonte vers l'autre. Ben, ça, ce sera inutile. Là, je la coupe. Je préfère qu'elle parte après un peu plus bas. Donc vous voyez, j'ai fait vraiment un minimum de taille. Hein. Ça aussi, ça ne me plaît pas. Quand des branches se chevauchent, je ne veux pas. Donc je supprime. Alors il n'est pas complètement désespéré parce que mais je pense qu'à un moment il a dû souffrir copieusement. Alors là, comme d'habitude, quand on va chez le docteur, on est presque guéri. Donc celui-là, il est bien humide. Regardez, donc, on va pas me dire on a oublié de l'arroser. Non non, regardez, il est tout mouillé. Alors on va quand même lui changer le terreau. Donc je prends du terreau qui est bien léger, qui est additionné d'un peu de sable pour être mieux drainé. Puis là, on va l'enlever. Vous voyez, il y avait déjà du terreau avec du sable. Mais si déjà, on va un peu remplacer tout ça. Il ne faut pas laisser une grande végétation avec des petites racines, ni l'inverse, des grandes racines avec une petite végétation. Mais là, comme on va l'installer dans son pot... Qu'est-ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est de bien connaître ses besoins, hein. Aussi bien en exposition, puisque vous savez qu'il y a des bonsaïs d'intérieur et des bonsaïs d'extérieur. Donc déjà connaître de prime abord la plante, hein, savoir ce qu'elle a besoin. Et alors, au niveau, disons, quand on a un bonsaï qui est dans son intérieur, c'est surtout lui offrir un emplacement bien lumineux. Ça, ils en ont besoin, à moins d'avoir des plantes, disons... c'est moins courant, des plantes qui préfèrent pousser dans les endroits ombragés, mais normalement beaucoup de lumière. Et alors, il faut suivre l'arrosage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'oublier pendant 15 jours. Et puis, il vaut mieux arroser un tout petit peu régulièrement, sans excès. Donc là, on le replace, je pense qu'il était comme ça. Hein. Et puis, on va lui redonner du nouveau terreau. Ce terreau contient des algues et un peu de compost, donc il sera quand même nourri. Mais ça, je vous dis, on fait vraiment le bonsaï en amateur, hein, en jardinier qui plante tout. Hein, parce que, comme dit, les passionnés de bonsaï, ils vont dire, mais il fait n'importe quoi. Ben, je fais un peu n'importe quoi et ça réussira quand même bien. On arrivera à le retaper. Là, il est replanté, il est dans son pot. Donc, quand vous arrivez chez vous, ma chère Caroline, vous lui donnez un peu à boire, vous ne laissez jamais l'eau stagner dans la soucoupe, hein, et puis vous le mettez devant la fenêtre. D'accord, ça ira mieux. Oui, il ira mieux. Le Biblenhof est un magnifique domaine fermier à la sortie de Soultz-les-Bains. Joseph l'a acheté et rénové il y a 30 ans et en a fait un hôtel-restaurant de charme. Si les boiseries pouvaient parler, elles nous décriraient la vie des ouvriers qui travaillaient dans les champs pour le compte de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg. Deux siècles d'histoire ont posé leurs empreintes sur ces murs, un cadre idéal pour le chef Christian qui nous attend pour la recette de la semaine. Bonjour Christian. Bonjour Caroline. Comment vas-tu? Ah, le ça va. Feu, c'est bien ça. Juste avant la fin de l'hiver, ça fait du bien, un bon petit feu. On va cuisiner du poisson en ta compagnie. Oui. Je vais te donner un coup de main. Est-ce que tu as un tablier pour moi? Oui, bien sûr. J'aime bien, moi, me mettre un peu la main à la pâte. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va cuisiner un filet de bar au jambon cru, pesto et croûte de pommes de terre. Et cette recette, pourquoi est-ce que tu l'as choisie? En fait, c'est une recette qui provient de ma grand-mère et qui l'élaborait avec un poisson moins noble, du merlan, accompagné de pommes de terre uniquement. Et ça, elle te faisait ça quand tu étais petit? Voilà, tout à fait, à midi. C'est elle qui t'a donné envie de faire à manger? Tout à fait, oui. Ouais. Oui. Tu as grandi dans ces fourneaux? Oui. Pour les ingrédients, évidemment, il faut du poisson, du bar, filet de bar. Du filet de bar, calibré 150 grammes. Ensuite, des pommes de terre, évidemment. Des pommes de terre que l'on va râper. Nous avons du jambon cru, du pesto, des pluches de cerfeuil, de la mirepoix de légumes, des jeunes pousses de betterave, des endives carmine. Tout ça, c'est pour la couleur, j'ai l'impression. Oui, ça va donner une belle palette de couleurs à notre assiette. Pour la sauce, qu'est-ce qu'il faudra? Alors pour la sauce, pour réaliser la sauce, il faudra du fumet de poisson, de la crème, du roux pour lier le fumet, et à la fin, on va monter la sauce au beurre. Alors on va déjà faire bouillir le fumet de poisson, on va le lier, on va le crémer, le monter au beurre et l'émulsionner. Un petit truc pour pas la louper, cette sauce? Oh, normalement, elle est inratable. Ensuite, les pommes de terre. On va les râper. On intercale le bar entre deux tranches de jambon fumé. Et ensuite, on va habiller le filet de bar avec les pommes de terre.
On va le cuire dans une poêle à l'huile d'olive, le filet de bar. Tout simplement. Tout simplement. Christian, ça a l'air absolument fabuleux, j'ai hâte de goûter. Alors nous a rejoint le chef, le patriarche, en tout cas celui qui a créé ce Biblenov. Joseph, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez acheté ce domaine il y a presque 30 ans? Il y a 30 ans, oui, juste après mon service militaire. Et vous avez tout refait vous-même? Tout refait, parce qu'il y avait tout à refaire. Qu'est-ce qu'il y avait avant, ici? C'était une ferme, c'est toujours une ferme. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez créer ici? C'était prévu au départ, les... Non, au début, j'étais agriculteur et en 80, on a commencé avec le tourisme rural. D'abord, chambre d'hôte, ensuite table d'hôte, ensuite ferme auberge. Et alors, on est devenu trop grand. Et vous êtes devenu un hôtel. Et c'est devenu un hôtel par la force des choses et avec le temps. Vous avez un souvenir qui vous a marqué de quelqu'un qui est passé ici? Ouais, oui, à l'époque, un vieux monsieur arrive avec son épouse, beaucoup plus jeune d'ailleurs. Et c'était pour Émilie Victor. C'est pas vrai. Ouais. Et des gens de chambre d'hôte l'ont reconnu. Moi, je l'ai même pas connu tout de suite. Quoi. Il est resté combien de temps? Et il est resté deux nuits. Et il a donné des dessins animés d'esquimaux, etc. aux enfants. Ils étaient tout petits à l'époque. Il avait 75 ans. Et ça vous a marqué? Ah, ça nous a marqué parce qu'il avait des enfants sur les... Il racontait des histoires d'esquimaux, de neige et de traîneaux. On ne savait pas... exactement ce que c'était, les enfants du moins. Oui. Et il a surtout insisté qu'il avait une chambre bien chaude. Je me dis que pourquoi? Mais parce qu'il a vécu que dans le froid. Quoi. Ouais. Joseph, qu'est-ce qu'on vous souhaite alors pour la suite, à vous et à toute votre famille? Mais que tout se passe bien, que ça continue, sur la bonne lancée. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Nous Merci étions cette semaine donc dans la région de Soultz-les-Bains, à quelques kilomètres de Molsheim. L'émission, vous pouvez la revoir à souhait sur le www.alsace20.tv. Et moi, je vous dis chin-chin, à bientôt. À bientôt. Allez, chin-chin. Avec modération toujours. Avec modération. À la semaine prochaine.